L'actualité internationale a pris ces derniers jours un virage dramatique et sidérant en Israël et dans les territoires palestiniens. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet et je le redis ici. Je condamne fermement les attaques terroristes du Hamas qui, malheureusement, touchent encore une fois des centaines d'innocents. J'apporte tout mon soutien et ma solidarité au peuple israélien. J'ai bien sûr une pensée émue pour les centaines de victimes et leurs familles. À Toulouse, nous avons en mémoire la profonde douleur causée par le terrorisme islamiste et l'antisémitisme. Nous avons en mémoire cette inconcevable douleur quand les femmes, les hommes, les enfants sont pris pour cible parce qu'ils sont juifs. En tant que président de notre département, je veux redire mon engagement profond, viscéral, contre l'antisémitisme, contre le terrorisme. Dans le même temps, j'appelle l'État d'Israël à ne pas verser dans une vengeance aveugle qui prendrait pour cible les civils palestiniens. Notre humanité ne peut ignorer ce que vivent les populations civiles gazaouies, qui sont elles aussi les premières victimes de l'asservissement du Hamas. Vendredi dernier, l'horreur a frappé de nouveau en France, avec l'attaque meurtrière au lycée Gambetta, 3 ans après le tragique assassinat de Samuel Paty. Quasiment jour pour jour, le terrorisme fanatique islamiste frappe encore avec horreur un établissement scolaire, tuant Dominique Bernard, enseignant dans l'exercice de ses fonctions, et blessant gravement 2 autres personnes. Mes pensées les plus attristées vont à la famille et aux proches de l'enseignant lâchement assassiné, ainsi qu'aux blessés et à leurs familles pour cette terrible épreuve. Samuel Paty, Dominique Bernard, ne faisait qu'enseigner. Il ne faisait que transmettre ce savoir indispensable à la structuration de la pensée libre, de l'autonomie responsable, de la citoyenneté. Cet enseignant républicain qui construit l'esprit de tolérance, de respect, de fraternité que nous souhaitons tous pour nos enfants. Plus que jamais, l'école doit rester le premier rempart de la République, de ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Le lieu où, par excellence, se forge le respect de l'autre, la capacité au dialogue, le penser par soi-même, loin des dogmes, en un mot, l'émancipation. Mais comme l'a dit Michaël Paty, sœur de Samuel, enseigner, ce n'est pas se taire. La République est un combat, elle doit se construire sans cesse. Rappelons-nous aujourd'hui que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, avec pour devise liberté, égalité, fraternité, et régie selon un principe, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Rappelons-nous qu'il nous appartient encore et toujours d'affirmer les droits inaliénables et sacrés de tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance. Rappelons-nous que c'est dans le progrès social que se cimentent la démocratie et la citoyenneté, que notre détermination doit être sans faille pour lutter contre toute atteinte à la démocratie, à la paix et aux libertés. Comme je l'ai évoqué, cette session s'inscrit dans un contexte particulier, mais nous devons poursuivre notre travail, poursuivre nos échanges, délibérer ensemble. C'est le sens de notre engagement collectif. Dans quelques minutes, nous allons être amenés à débattre sur le programme départemental pour l'insertion et l'emploi, le PDIE, qui couvrira la période 2023-2026. Je reprendrai la parole sur ce sujet au moment du vote. Je ne vais pas aborder l'ensemble des sujets de notre session, mais un dossier me tient particulièrement à cœur. En juin dernier, nous avons décidé de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité, afin que toutes et tous les élèves vivent leur année collège dans les meilleures conditions possibles. Nous avons adopté un plan de lutte contre le harcèlement scolaire dans les établissements du secondaire. Il est en vigueur depuis la rentrée de septembre. Aujourd'hui, nous allons voter la convention travaillée entre nos services et ceux de la direction départementale des services de l'éducation nationale. Cette convention, comme celle que nous avons signée pour favoriser la mixité sociale, sera elle aussi une première en France.
car pour notre département, si l'école est le lieu d'apprentissage, c'est aussi le lieu d'émancipation et d'épanouissement. L'école ne peut être en aucun cas devenir un lieu de persécution, d'humiliation et de souffrance. Il me semblait important de prendre quelques instants pour saluer les partenaires avec lesquels nous avons travaillé. L'éducation nationale, bien sûr, en tout premier lieu, avec laquelle nous avons en Haute-Garonne de vraies relations partenariales. Nos autres partenaires institutionnels, que ce soit la protection judiciaire de la jeunesse et bien sûr tout le secteur sanitaire. Nos partenaires associatifs, avec lesquels nous avons construit de longue date des coopérations toujours fructueuses. Et enfin, nos propres services, qui ont travaillé en transversalité entre l'éducation et la prévention jeunesse, avec notre maison départementale des adolescents qui devient le lieu ressource pour la mise en œuvre de ce plan. Ce dispositif, vous le savez, il est très ambitieux. Il propose, au-delà du renforcement de la présence humaine dans les collèges, un accompagnement hors du collège, non seulement pour les élèves victimes, mais aussi pour les élèves auteurs et leurs familles, afin de prévenir la récidive. Il est unique en France, comme je le disais, et je vous invite chacune et chacun d'entre vous à le relayer. L'occasion m'est donnée également de saluer la présence des élèves du collège Georges Sand, élèves issus de l'accordé de la réussite de Sciences Po. Bienvenue dans cette session et bienvenue à leurs professeurs qui ont bien voulu les accueillir ce matin. En fin de matinée, nous accueillerons Thierry Cardoy, directeur départemental de l'ARS, qui nous présentera le projet régional de santé. Ce document est un des plus importants. Nous savons à quel point les inégalités sociales et territoriales face à l'accès aux soins sont réelles. Par notre maillage de proximité, on le mesure au quotidien, les difficultés des publics fragiles. Nous sommes un partenaire incontournable pour identifier de manière fine les besoins en santé. Je souhaite que nous puissions poursuivre une coopération constructive avec l'ARS pour définir une offre de soins et un accompagnement des personnes les plus adaptées. Cela doit s'inscrire dans une vision partagée d'aménagement du territoire, dans le respect des compétences, bien sûr, de chacune et de chacun, mais dans une convergence d'objectifs, avec des moyens humains, financiers, clairement identifiés. Nous serons également appelés à voter des dossiers aussi importants que la dotation de fonctionnement et subvention d'équipement pour les collèges sur l'exercice 2024, notre plan sport-santé ou encore le bilan de notre plan arbres et forêts, dossier que je ne peux détailler ici, mais qui mérite toute notre attention. Nous examinerons en fin de journée la délibération relative à la modification modificative de notre budget départemental. Vous connaissez mon engagement à observer une rigueur budgétaire qui nous permette d'assurer nos missions de solidarité tout en poursuivant nos investissements d'avenir. Cette DM actera la baisse constatée des droits de mutation avec une inscription ajustée de 285 millions d'euros au lieu des 315 millions d'euros que nous avions prévus au budget principal. Cet ajustement est nécessaire et nous l'appliquons en responsabilité. Vous connaissez nos faibles marges de manœuvre en matière de recettes. Par rapport au DMTO perçu en 2022, la perte de recettes en 2023 devrait approcher les 80 millions d'euros. Soit environ moins 21%. Ça ne pourra ne pas être sans conséquence sur la préparation budgétaire 2024. Je tiens à être très clair là-dessus. En matière d'investissement, cette DM, c'est simplement des ajustements à la baisse en fonction de l'avancée des projets ou des travaux. On aura l'occasion d'y revenir. Chers et chers collègues, vous le savez, notre collectivité est engagée dans une analyse fine de nos politiques publiques pour renforcer l'efficience. Nous agissons en responsabilité face aux attentes de nos concitoyens, face aux crises multiples que nous traversons. Et je vous l'invite ainsi, c'est dans la concorde et la coopération que nous trouverons, j'en suis sûr, les solutions et les moyens d'agir. Je vous remercie.